En retard sur son planning, Kerry James arrive sur le plateau de TV Tour pour l'enregistrement de l'émission Orbit. Et déjà, se dégage beaucoup de sérénité. 4, 3, 2, 1, sommet. C'est parti pour 45 minutes d'enregistrement. Au fil des interviews, la réputation du monsieur ne se dément pas, humble et fidèle au discours de son rap conscient. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. Un discours qui interpelle et qui séduit. L'association Tourangelle Diversité 37 a souhaité profiter de la venue de l'artiste pour créer un échange entre des jeunes des quartiers tourangeaux et le rappeur. L'artiste a tout de suite adhéré. L'idée, c'est de dire aux jeunes qu'on peut sortir de l'assistanat, qu'on peut sortir d'une certaine débrouille, qu'on peut s'en sortir individuellement en ayant des projets, en ayant des discours positifs, en ayant une démarche. Ici, on a des jeunes qui sont tous dans une démarche culturelle, économique, ont tous envie de réussir. Et aujourd'hui, c'est le moment pour en discuter avec Kerry James. Pas de solution de la bouche de Kerry James, mais des réponses vraies. Un discours qui existe déjà sur l'album À l'ombre du show business qui est déjà disque d'or. Le rappeur a acquis et fidélisé son public autour de ses valeurs. Parce qu'avant, si tu veux, Kerry James, t'avais toujours des gens qui disaient ah, « c'est bien ce qu'il fait ». Mais après, ils vont pas acheter, ils vont acheter quelqu'un qui dit le contraire de ce que je dis moi. Mais il y a un moment, si les gens veulent que je continue à défendre des idées, il faut aussi que je représente un poids économique. Sinon, à un moment, le rap conscient, il s'éteint et je pense que les gens, ils ont compris ça. 15 minutes pour un échange, c'est bref. Mais Ismaël, présent dans l'assistance, est déjà séduit. Il prépare une compilation rap enregistrée entre Paris et Tours et aimerait que Kerry James y pose sa voix. C'est une personne qui a l'air, justement, comme dit, assez humble, qui a l'air d'être assez posé et qui a l'air d'être en accord en fait avec ce qu'il revendique. Donc pour moi, c'est un artiste, on va dire, charismatique. À ce point que l'équipe de TV Tour compte aussi des fans. L'artiste part direction Chambrais-les-Tours pour son concert. Et comme le veut la tradition hip-hop, on finit avec une dédicace. Voilà quoi, Street Evolution, bientôt dans les bacs, bientôt chez toi.